Need something to drink and soon. J'aurais dû désactiver ça, sa parole. J'aurais dû lui arracher la langue. Bienvenue pour The Long Dark. Dans le noir absolu. Et on a trouvé les escaliers directement. Bienvenue dans The Long Dark. Donc, alors avant de lancer ça, j'ai un peu regardé les équipements qu'on pouvait prendre sur nous, genre pour repartir au lac mystère. Je vais être honnête, au final, c'est vrai que vu qu'on n'a pas des gros vêtements encore, on a encore... Faut être honnête, hein, on a de la merde. Donc ce sont des vêtements qui sont pas très lourds. Vous voyez, 0,50, 0,25, 0,75. On a juste ça qui est 1 kg. Et voilà, c'est le plus gros. Ah bon, sans compter les chaussures évidemment. Donc du coup, c'est pas très lourd. Et en plus, quand vous les portez, hein, c'est beaucoup moins lourd que ce que ça dit. Du coup, c'est vrai qu'on est à 22 kg. Enfin, moins de 22 kg. Et on peut aller jusqu'à 35. Donc on peut... Honnêtement, on peut prendre beaucoup de choses. On peut prendre beaucoup de choses sur nous. Par contre, je voudrais quand même me spécialiser, mais on va dire que je voudrais m'habituer à prendre le revolver sur moi, parce que le revolver, c'est... On va regarder ça. C'est 0, c'est 1.5, alors que le fusil, c'est 4. Bon, le 17, c'est les balles en plus. Je pense que les balles de revolver, ou elles sont pas comptées, ou alors c'est sûrement 10 grammes, j'imagine. Parce que normalement, c'est 4 kg le fusil, là, c'est 17 grammes les balles, 9 balles dedans. Donc ouais, peut-être 10 grammes pour les 6 d'ici. Je pense que ça devrait être logique. Mais voilà, du coup je voudrais repartir avec le revolver à tout prix. Mais le fusil, ce qu'on va faire en fait, je pense qu'on va un peu utiliser le fusil aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si on peut pas chasser un peu les loups qui sont autour de l'immeuble, de notre camp, de notre bâtiment. De notre maison. Pourquoi? Je sais pas. J'ai envie de tirer sur des trucs. En gros. Bah tout simplement. Je veux juste faire un carnage. Non, c'est surtout pour... à la limite, ça serait pour récupérer la peau. Honnêtement, c'est pour récupérer la peau. Et c'est à peu près tout. Donc on va voir un peu s'il y a des loups autour. Sinon, si jamais il y a personne... et que ça sert un peu à rien. On va partir hein, de Milton. On a des lapins ici. Est-ce qu'on a encore des cailloux sur nous? On a encore des cailloux. Par contre, on a une visibilité toute pourrie. Donc voilà, je pensais à faire ça dans cet épisode. On va faire un peu le tour. On va voir si on peut pas... défoncer quelques loups ou alors même un cerf hein, qui passe hein. Ça serait bien mais après après cet épisode on repartira au lac mystère parce que le lac mystère aussi c'est vrai que j'ai pas vraiment fait le tour du lac mystère parce que encore une fois c'était un peu difficile de se balader et tout ça donc du coup on aura du boulot là-bas donc autant partir et revenir. Et puis après, autoroute côtière. On ira sur l'autoroute côtière. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus de loups. Ouais, c'est un peu bête. Il y a quoi là de ce côté? Des hiboux. On va avoir froid. On va rentrer. Y a plus rien en fait autour. Les loups ils ont déguerpi hein. Les loups ils ont complètement déguerpi hein. Incroyable. On a fait cette maison. Oui, je crois qu'il y a deux portes. Ouais, les loups sont complètement partis, en fait. Ils ont... Ouais,
C'est un peu triste. Alors je sais qu'on voit pas grand chose. Planche, il faut... Comment on va là? Ah. Je regarde si on peut pas couper des trucs juste pour un peu se réchauffer. Genre on peut faire ça en une heure. Ouais, on peut faire ça. Ça fait du bois. C'est jamais perdu. Ok, c'est un peu mieux. On va juste manger. Bah du coup, j'ai pas envie, j'ai pas trop envie de d'utiliser en fait toutes mes ressources. Ah, vous avez vu quand on a le fusil quand même, directement on monte à 26. Ouais, le fusil on va le laisser à 1000 tonnes. J'ai pas trop envie d'utiliser toutes mes ressources non plus. Parce que ça va être embêtant. Bon, on ressort, on va voir. On va voir si on trouve quelque chose à faire en fait. Oh là là. Attends, tout pourri en plus. Bah encore heureux qu'on n'est pas parti. Hein. C'est moi qui marchais comme ça. Ouais, sûrement moi. Bon, on a un temps tout pourri. On n'a pas grand chose à faire à la maison, c'est ça qui est un problème en fait. J'ai pas grand chose pour passer le temps. Donc ça va être un petit problème. Et là on a vraiment un temps tout pourri, il faudrait juste dormir honnêtement. Peut-être qu'on va dormir. La tempête s'est arrêtée mais... Jesus, c'est cold. Alors après on peut aller vers la ferme à la limite. Peut-être chasser un cerf. J'essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait faire en fait, hein, parce que là, j'avoue que... Chasser un cerf là-bas. Le problème, c'est que ça fait loin. Faudrait faire un feu pendant qu'on est là-bas. Sur à côté de la carcasse. Ouais, ça vaut le coup peut-être. Ou alors on va du côté... côté de la station service peut-être. On va voir. Peut-être la station service. C'est peut-être plus facile. Bon, on a un temps tout pourri encore, c'est super. Oh! On n'a pas fait cette voiture. Ah, est-ce que le capot il était fermé? Comme d'habitude, j'ouvre toujours les capots pour être sûr de l'avoir fait. Par contre, on a une batterie, on va la poser. Ouh la vache, comment on est lourd. On voit la différence du sprint. Hein. Ah, on la voit vite hein, la différence. Hein. Oh la vache. Ok, donc ça c'est pas mal, ça nous fait du plomb. Ça permet de faire les balles. De faire le cœur des balles, c'est très très bien. C'est vrai que je pense qu'on en a jamais trouvé des batteries. 15 kilos, ouais, ouais quand même. C'est combien, c'est 30... Ah, c'est à peine 30 minutes pour la recycler. Ça va, cool. Voilà, de 15 kilos, ça passe à... là. 1,5 kg. Oups. Très bien. Bon, ben on n'a pas assez de place, c'est pas grave. On va les mettre par terre, c'est pas grave. Voilà, et quand on ira faire des balles, on viendra par ici aussi pour récupérer tout ce qu'il nous faut. Je pense que crafter des balles... Oh mon dieu, le temps il s'est encore gâté, super. Crafter des balles, ce sera sûrement...
Pour plus tard, genre quand on aura le sac de la du canyon, je pense, et quand on aura une pochette aussi pour. J'ai pas fouillé ça. J'ai pas fait ça là aussi. Une pochette en peau d'élan là aussi. Il y a des trucs que j'ai loupés. On est sérieux là? Oh mon dieu, ça va m'énerver ça. C'est pour ça que c'est compliqué, Milton. Oh, je vois rien en plus là comme ça. Un peu embêtant, Milton, pour ça. Ça, on l'a fait. Genre, je voudrais voir ce qui traîne là-bas. Un truc qu'on peut faire, c'est dormir à la station-service. Oh mon dieu, on a vraiment un temps horrible. Horrible. Est-ce qu'il y a du bruit? On a un temps horrible. Ah, je vois pas grand chose. Attends, je connais un peu le... Voilà. Hop. Voilà, je sais que c'est un peu sombre, mais au moins on est au lit directement. On va faire une heure. Il fait froid apparemment dans la station service, donc je sais même pas si on sera... au maximum pour la chaleur. Non, même pas. Même pas. Bon, bah pour l'instant, ça a l'air super calme. Il n'y a personne. On a vu qu'on a croisé un seul lapin. Aïe, 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 aïe. Non, pas ça. Ah, j'aurais dû me baisser. Je me suis pas baissé. Ok, ça s'est un peu amélioré. Alors là-bas, des fois, il y a des cerfs dans ce champ-là. Des boisements, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ? Je vois strictement rien qui bouge. Ouais, des champignons. Ça c'est bien, ça nous aidera toujours. Au moins on vient pas là pour rien quoi. Eh ben, j'avoue que c'est pas la folie, là. Là... C'est même... J'ai l'impression, en fait, de perdre mon temps. J'ai vraiment l'impression que c'est complètement inutile, ce qu'on est en train de faire. Enfin, le fait de sortir. On a récupéré quasiment rien du tout. Là, il y a un cadavre. Oh. J'ai entendu un loup. J'ai même du mal à voir par terre les choses. On va aller se réchauffer. Ils sont où les... Ils doivent tous être à la ferme, je pense. Je pense qu'ils sont tous à la ferme en contrebas. Je crois, enfin en contrebas, vers le bas de la ville. Je dirais. Parce que là, c'est pas possible de rien avoir comme ça, en fait.
Oh là, je me suis perdu. Le lit, il est là. Ah, là, il n'y a rien du tout, quoi. Bon, ce qui est bien, on utilise la ferme. Si vous avez des problèmes comme ça avec le froid, utilisez des bâtiments et tout ça, et vous dormez une heure, vous ressortez, dormez une heure, vous ressortez. Ça marche bien. Hein. C'est pas l'idéal, mais au début, honnêtement, c'est le plus intéressant, parce que du coup, vous consommez pas trop de... de calories, parce que vous dormez. Quand vous dormez, vous consommez moins de calories que si vous restez éveillé. Puis vous perdez pas de vie. Donc c'est honnêtement top au début. On va regarder s'il n'y a pas des lapins peut-être. Là normalement des fois il y en a. Là il y a le camion. Je pense que je l'ai... Ah non. Pas de batterie. Peut-être là-bas, on peut voir. Je sais pas si... Là-bas, normalement, il n'y a rien. Je sais qu'il y a une route avec un camion, mais le camion, on est allé le voir, non? Je me rappelle plus. Oh, il y a des bâtons, on peut les scier. Je crois bien. Ah, aurore boréale. On peut prendre ça. Non, on n'y est peut-être pas venu. Je crois que j'en avais parlé. Mais c'est possible qu'on n'y soit pas allé en fait. Je me souviens plus trop. On va voir. Non, nouveau lieu découvert. Non, on l'a pas fait. Honnêtement, j'ai jamais. En intrus, je parle encore une fois. Hein. J'ai jamais vu quelque chose d'intéressant ici. Jamais trouvé d'objet. Mais bon, c'est un lieu intéressant. Je pense qu'il y a une chance. Que quelque chose se produise. Se balader à côté de la ferme, pas de la ferme, de la station service pendant une aurore boréale, pardon. C'est pas mal parce qu'il y a plein de... Oh bah tiens, il y a ça déjà. Et il y a plein de lumière un peu tout autour. 15 barres de chocolat, 10 sachets de bœuf séché. C'est bon, ça, le beef jerky. 5 boîtes de pêche au sirop, 15 bouteilles d'eau. Qui aurait pensé que les enfants pouvaient manger autant en un seul week-end? Merci d'ajouter ça à la prochaine commande. Et c'est où tout ça? Hein? C'est où? Je veux savoir où c'est. Alors... Ah oui, c'est vrai que c'était une heure cette merde. Allez, une heure. Au moins c'est de la couture. La couture, c'est important quand même de le faire parce que ça vous permet de... Du coup, on n'a pas trop récupéré de chaleur. Mais... la couture, c'est important parce que c'est extrêmement, mais alors extrêmement relou à monter. Je vais être honnête, c'est vraiment chiant. Donc bon, c'est jamais perdu de faire de la couture. Je pense que c'est un des skills les plus chiants à monter. Enfin, surtout en intrus, encore une fois. Parce que les livres, ça court pas les rues. Le tissu, tout ça, coudre, ça peut foirer, donc c'est un problème. Là, on a encore des champignons. Bah, à la limite, c'est pas si mal, cette petite sortie. Je voudrais bien juste tirer sur un truc, peut-être.
On a pas mal de bois. Ah, on peut aller voir là-bas peut-être. On peut voir. Après, je pourrais dessiner les cartes, mais comme j'ai dit, c'est un peu compliqué de rester à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un lit ici? Je me rappelle plus. Ah si, il y a encore. Ça va. Ouais, let's go. Après, quand on aura plus de calories, parce que là j'ai plus à manger sur moi, j'ai plus rien, on va rentrer. Mais je voudrais bien juste continuer, peut-être trouver plus de champignons ou de trucs comme ça, ça nous avancerait. C'est pas top top, mais bon, ben voilà quoi. Et après, le prochain épisode, on se casse d'ici. Là-bas, est-ce que ça bouge? Des fois, il y a du loup. J'ai l'impression que ça bouge. Bon, par contre, on a plein de bois, ça c'est bien. Là, on est au niveau de la ferme. Là, on pourrait bien dessiner la map. Il y a des lieux dans Milton. Ça, par contre, je pense que Milton, c'est un des endroits les plus simples à dessiner, parce qu'il y a beaucoup d'endroits en fait qui sont en hauteur et qui sont au-dessus en fait d'endroits intéressants. Genre, par exemple, au-dessus de notre maison, on peut monter, on peut complètement monter et dessiner toute la ville en fait. En gros, on peut dessiner toute la ville extrêmement facilement. Là, pareil, on peut vraiment monter par rapport à la plaine. Un cadavre. Vous voyez que quand il y a les aurores boréales, honnêtement, pour se déplacer, c'est quand même mieux. Hein. Ça serait bien que ça soit un tout petit peu plus souvent. Ça. Non, ça... On va faire comme ça. Okay. Très bien. Maintenant, on va aller vers la... Vers la grange. Pas trop fort le vent, j'entends rien. Toujours rester en hauteur. Normalement, on devrait bien les voir, hein, les animaux. Hein. Devraient tous verts phosphorescents là. Donc bon. En théorie, ça devrait pas être un problème, hein, de trouver un truc, de voir un truc au loin. On va rentrer, parce que là, on est en train de perdre un peu de vie. On a récupéré des bois pour faire des flèches, on a récupéré des bois pour faire des arcs. Oui, c'est pas mal. Oh, 41 brindilles, ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? Ouais, pour faire des thés. Ouais, c'est pas top top, mais c'est pas mal. Ici, on avait tout fouillé, tout pris. Hein. Non, on sort. Putain, on dirait que tout le monde est parti de la ville, quoi. Enfin, les animaux, je parle. Et les humains, ça fait un moment qu'ils sont plus.
Ah, ça y est. Ok. Alors attends, on va rentrer, sortir pour qu'on perde le, pour qu'ils nous perdent en fait, pour qu'ils nous perdent de vue. Donc je vais sortir en accroupi. Ouais, on est bien accroupi. Let's go. Ok, alors. Il y en a un là. Il nous détecte de méga loin. Et il est là, lui. Je dois bien lui mettre une balle à la tête. Ce serait bien qu'il se retourne, en fait. Faire attention à celui-là, là-bas. Ah, merde, il va du mauvais sens. Il y en a 3, 1, 2, 3. Il y en a là et 2 là-bas. Donc il faut faire attention. C'est un peu dangereux ce qu'on est en train de faire. On va tirer avant que on ait froid là, parce que sinon ça va être trop. On va trop trembler. Lui il a l'air pas mal. Lui il a l'air pas mal. Très bien. Ok. On va rentrer à se réchauffer. On va rentrer, se réchauffer et surtout, surtout c'est pour, on va dire, reset, j'ai envie d'employer ce terme. Un peu reset les loups, comme ça ils nous font pas très chier. T'es monté sur quoi? Ah oui, sur la boîte en carton, d'accord. Parfait. Une balle en pleine tête, c'était magnifique. Ok, let's go. On va refaire la même. Par contre, on a. Ouais, on commence à avoir faim. Donc, je. Le problème, c'est que si on a tué le loup, donc faudrait qu'il serve à quelque chose maintenant. Alors. Ouais, parce que si on le laisse comme ça et qu'il sert strictement à rien, c'est du gâchis, quoi. Attends, on va recharger. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Il est. D'accord. Il était bloqué apparemment, le fusil? Ok, on est bon. Non, il était où le cadavre? Ah, il est là. Ok. J'ai honnêtement bien envie de. Vas-y, ramène-toi, vas-y. Vas-y, viens. Je le sens bien. Deux balles. Le truc, c'est qu'il n'est pas mort. Comment ça lui a pas touché la tête? C'est ça qui me surprend. Comment ça lui a pas touché la tête, la première balle? Il est allé où? Il est allé à droite. Honnêtement, il va sûrement mourir bientôt. Et là, il y a du lapin. J'ai perdu la trace, honnêtement. J'ai plus fait attention. Là, il y a le cerf à droite. Il y en a un là.
Ah, on peut faire du feu, donc c'est pas... Il y a quoi sur toi? On a ça. Oh, yes, 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 va sur le lapin. Alors, vite avant qu'on ait froid. Merde! La douille. Ah, elle est où la douille? Mais bon, alors. Aïe, 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 aïe. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire là, mais... Vas-y, viens. Tiens! Très bien. Très bien. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on doit faire ça. Ok, alors là on est en train de faire du feu, on va prendre, enfin oui vous le voyez que je suis en train de faire du feu, mais en fait c'est parce que je veux expliquer ce qu'on va essayer de faire. On va prendre la peau du cerf, on va cuire la viande aussi qu'il y a dessus. Oh vas-y gueule pas, c'est ça, calme-toi. On va prendre la peau qu'il y a dessus, on va se réchauffer, on va dépecer le loup aussi je pense. Oh, putain de merde. Voilà. Comme ça on se réchauffe un peu. Très bien. Ah oui, c'est gelé, on est obligé d'utiliser la scie. Ça aussi, c'est un truc à savoir, à prendre en compte. 30 minutes, ok. Est-ce qu'on est assez proche du loup pour avoir chaud? Yes, on est... ça marche, c'est pour ça que j'ai mis le feu là. Alors ça aussi, c'est un peu une astuce, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous êtes, on va dire, téléporte la vue, votre vue, elle est téléportée. Mais sinon, votre corps a toujours chaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas votre corps qui bouge, c'est juste la vue qui bouge. Voilà. Ah, 40 minutes. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Voilà. Vous voyez? C'est bien hein? C'est pratique hein? 40 minutes. On va prendre un steak. Deux steaks. J'ai peut-être trop faim, par contre. Faut que je regarde. Hop là. Ok, très bien. C'est un peu... Enfin, c'est comme ça que le jeu fonctionne, hein, c'est pas ma faute. Une heure, ça marche. 40 minutes pour ça. Le lapin, on va pas le toucher pour le moment. On va récupérer la peau. On va récupérer la peau du loup aussi. Très bien. Évidemment, il commence à avoir un feu, un vent. Le truc, il arrête pas de se bloquer par contre. Hein. Je veux pas dire, mais... Ça arrête pas de se bloquer le fusil. Il est en très mauvaise qualité. 22 minutes. Oh. Voilà. Vous avez vu le... Ah oui, non, la peau, je l'ai déjà prise. La barre était...
La flèche était pas... était vers le bas. Ok, c'est bon. Là, je fais ça honnêtement, mais on n'en a pas vraiment trop besoin. Parce que j'ai pas envie de manger de la viande de loup. Mais... ça nous fait augmenter notre... notre cuisine, donc bon. Autant le faire. Mais on va rentrer. Hein. Après, il y a l'autre loup aussi à récupérer. Parce que lui, il est sûrement mort, honnêtement. Je serais étonné qu'il soit encore en vie. Yes, carcasse niveau 3. Oh, énorme. Très, très bien. Très, très, très bien. Très, très bon. Carcasse niveau 3. Récolter qu'un gelé à la main. Collecte des boyaux et de la peau plus vite. Avec de la viande moins 25%. Donc voilà, maintenant c'est 36 minutes au lieu de 40 minutes, vous voyez. Donc ça c'est cool. Bon, c'est parfait, c'est ce que je voulais qu'on fasse. C'est ce que je voulais qu'on fasse. Il nous reste combien de balles? 9, ça va. J'aimerais bien manger un steak de loup, mais c'est dangereux. Ça serait quand même très dangereux de faire ça. Je vais être honnête. Je vais être honnête, c'est quand même très dangereux si on fait ça. Parce que si on tombe malade, on va galérer. On va galérer. Ça va surmettre notre arrêt de mort. Je suis pas complètement convaincu que ça soit notre arrêt de mort, mais on va pas tenter le diable. La cuisine, fais voir un peu si ça a augmenté. Cuisine, bientôt niveau 3. Donc normalement, si on finit ça, ça devrait être niveau 3. On va y aller. Hein. On va y aller. Très bien. Hop. Allez, niveau 3, go. Non? Sérieux? La merde. Peut-être avec le dernier morceau de viande alors. Niveau 3, go. Let's go, let's go. Yeah, niveau 3. Très bien. Très très bien. Alors, 15% de calories en plus, délai de cuisson plus rapide, aucune perte de calories quand vous forcez une conserve. Voilà, voilà. Très bien. Donc c'est bon, on peut les forcer les conserves, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème maintenant. C'est vrai que, je vais être honnête, j'avais complètement oublié ce système. Que au bout de... si on prend cuisine niveau 3... on n'a plus de problème des conserves. Donc du coup maintenant toutes les conserves qu'on prend on peut les forcer. Alors faut bien noter que on force quand même. C'est considéré comme forcé, donc on récupère pas de. Comment ça s'appelle la conserve en elle-même pour faire de l'eau, tout ça. Mais du coup ben on perd pas de calories. C'est cool. Bon, par contre, je crois pas qu'il y ait de sang. Je pense qu'il y a plus de sang par terre, donc pour trouver le cadavre, ça va être compliqué. On va devoir trouver, genre, des corbeaux qui traînent, qui sont autour du cadavre, qui volent au-dessus du cadavre. Je parle du loup. Hein. Ah, là-bas, on dirait un cadavre par terre. Là, en face, en plein milieu. C'est peut-être ça. Par contre, on peut pas rester trop longtemps parce que
Je vais avoir faim. Non, c'est des cailloux. Merde. Ouais, c'est des rochers. Oh, on peut faire ça. Bon, bah au final, c'est pas... C'est pas pourri comme... comme petite excursion. On a récupéré quand même pas mal de choses. Bon, on n'a pas récupéré vraiment de nourriture. Parce que, honnêtement, comme j'ai dit, on pourrait faire. Mais à chaque fois que je l'ai fait, genre 1% de chance d'avoir les vers. Genre si on mange un steak en entier et qu'on laisse passer le temps. Et à chaque fois, je l'ai obtenu. Je suis quasiment sûr qu'à chaque fois, je l'ai obtenu dans toutes mes survies. Dans toutes mes saisons. Donc, donc ouais, j'ai pas trop envie de tenter. Après, on a toujours le premier... Ah, j'avais oublié. C'est vrai qu'on a toujours le premier cadavre de loup, parce que ça, c'est le deuxième qu'on vient de dépecer. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Est-ce qu'on va le dépecer maintenant? On a une torche, on peut faire du feu facilement. Ouais, mais on a faim. Non, si on n'avait pas faim, oui. Si on n'avait pas faim, oui, j'irai sur le premier cadavre qui est devant la maison. Mais là, on a faim, donc non, on va rentrer. On va simplement rentrer. On passe par là, il y a plein de massettes. Ça, c'est cool, par contre. Ça, c'est vraiment cool. Encore du bois de côté. Mais l'autre avec deux balles, une dans les fesses et une... honnêtement, je sais pas où elle est allée, la balle. J'imagine dans son torse au final. Quasiment sûr que le truc est mort quelque part, pas loin. D'été. Ah oui, on a le lapin aussi. On a peau de cerf, peau de loup. C'est vraiment bien. Oh, I can think about his food. Très bien. C'est ma dernière torche. On va la garder, celle-là. Voilà. Vu qu'on va pas faire de feu. On a chargé le fusil. Ouais. Allez, let's go. Les bonus comme ça, honnêtement, ça devrait être au-dessus de l'écran. Genre pas en plein milieu, mais genre au-dessus. Parce que j'avoue que quand il y a le réchauffement, genre qui dit, bon, le réchauffement fini, les écritures, elles sont quand même bien grosses. Hein. Genre, s'il y a un loup en plein devant, je le vois pas. Hein. Il est derrière les écritures. Donc ça, je voudrais bien pouvoir le déplacer, ce serait bon. Faut plus de jeux où on peut changer le HUD, hein, ça serait tellement bien. Ça, c'est du cerf. On va en prendre deux. On va mettre le loup ici. Quoique non, le loup, on va le mettre là. Voilà. Après, j'aurais pu garder la... J'aurais pu garder la torche pour cuire la viande, en fait. Bon, on a quasiment rien comme viande. On aurait 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos, je serais content. Non, on a 0,8. C'est nul.
Ah, très bien. Voilà, parfait. On va prendre ça. Bon ben... Au final, au début, je me suis dit... c'est embêtant parce que là, ça va être un épisode où il n'y a rien qui se passe. Ou alors ça se passe mal. On récupère... En gros, se passer mal, pour moi, ça serait de... Enfin, ça, c'est cru. Ça serait que rien ne se produit, en fait, pendant l'épisode. Genre, on trouve personne, on tue personne, on récolte rien. Mais au final, le début était un peu bof-bof. Puis après, ça s'est quand même complètement amélioré, quand même. Faut avouer. Oh, il y a les pots aussi. Ça s'est quand même bien bien amélioré, ça va, je suis content. Il y a ça aussi à détruire. Donc, résultat des courses. Alors, ça. Il y a aussi les bois hein, qui sont importants. Donc on va les mettre là. Très bien. Tout ça maintenant on peut le manger sans problème. Ah non, je les avais mis dans le frigidaire. J'avais mis ça dans le frigidaire. Il y en a je crois qu'ils sont encore en très très bon état hein, si je dis pas de bêtises. Attends, on va prendre ça. Ouais, tout ça, c'est en très bon état, hein, donc on peut les manger. Par contre, c'est méga lourd, hein, ça vaut pas le coup de les trimballer sur soi. Donc je pense qu'on va se goinfrer avec ça. Je vais peut-être m'en prendre 3, 4, je vais peut-être prendre, toutes les prendre en fait. Les autres, je crois que j'en avais des... Certaines qui étaient bas en pourcentage, je crois que je les ai jetées, ou je les ai mis quelque part, je sais plus. Ah, vous voyez, directement ça va, ça monte très vite. Je les ai mis là, je crois. Je vais voir nourriture. Ah oui. On devrait toutes les prendre, mais toutes les mêmes au même endroit. Je vais mettre celle avec un pourcentage bas, enfin orange là. On va faire comme ça. Ah, tout ça. Voilà, ça c'est quoi? Poussiéreuse. Poussiéreuse, ça passe. Poussiéreuse, ça passe. Voilà, donc on a plein de pots. Alors je pense que avec tous les lapins, donc déjà on peut faire... je vais essayer de faire un récapitulatif, puis après on va s'arrêter là. Déjà les balles, on va les ranger. Donc je suis déjà content pour les balles et tout ça. C'est bien débrouillé. On a loupé quoi? Un tir au final. On a plus seulement un tir. Ça, on va les prendre pour nous. Ça, on va le prendre aussi. Revolver aussi. Ça, la pierre est aiguisée. J'ai envie de dire que... Ouais. On a un pied de biche à 100%. On va le prendre. Celui-là, on va le poser. Ça, l'outil. Le marteau lourd. Est-ce qu'on prend le marteau lourd? Marteau lourd, je pense... Honnêtement, je vais être honnête. Je pense qu'on va en trouver un. Mais bon, autant le prendre. Les jerrycans, je pense qu'on va poser celui-là. Je crois que ma lampe, elle est au max. J'ai envie de mettre la lampe qui est au max ici et remplir celle-là. J'ai envie de faire ça, parce que du coup, ça nous ferait une deux lampes qui sont pleines. Mais je sais pas si ça serait pas du gâchis de faire ça. Je suis pas très très convaincu en fait sur ma technique. Je sais pas. Genre ça ferait une lampe pleine ici. Après j'ai envie de dire que si jamais genre notre poids est trop lourd, c'est mieux d'avoir des lampes qui sont pleines que d'avoir des jerrycans. Vous voyez ce que je veux dire? Ma logique ou pas? Donc ouais, je pense que je vais remplir ça. Je préfère avoir une lampe bien remplie que... Que me trimballer avec une lampe déjà remplie avec les jerrycans sur moi. Puis après on est obligé de jeter les jerrycans. Voilà, très bien. Enfin, celui-là on peut...
Je suis en train déjà de me préparer en fait pour la prochaine fois pour qu'on parte, tout simplement. Il y a les plumes pour le moment, on s'en fout un peu. Fusil, on le dépose. Ça, on le dépose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la couture, ça serait bien de le lire. Le fusil, putain, en plus, c'est niveau avancé. Flingue, 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 c'est fusil ou c'est pistolet? Normalement, c'est fusil, ça. Ouais, ouais, c'est bien fusil. C'est 25 heures, par contre. Enfin, j'ai envie de le prendre, honnêtement, sur moi, le livre. Mais ça fait 0,50 encore. On est déjà à 36. Ouais, non, on va pas le prendre. On va pas le prendre. Comme j'ai dit, le fusil, on le laisse, donc c'est pas vraiment important de le monter maintenant. Les pierres, on pourra les jeter. Ça, c'est la couture, on va le garder. Ça, on garde, ça, on garde. Charbon aussi, on va le jeter. Enfin, on va même en poser, je veux dire. 10. Ici, donc, comme j'ai dit, on va bouffer ça. Oh, les massettes, on peut en virer. Hop, très bien. Vêtements, ils sont tous bons. Ça, on le garde de côté. Les médocs, on n'en prend pas, comme j'ai dit. Ça, on garde, ça, on garde. Les tablettes de purification, honnêtement, elles sont honnêtement, c'est lourd. C'est lourd, c'est 0,25, c'est quand même bien lourd, juste pour 4 tablettes. Parce qu'une tablette, ça fait 1 litre. C'est honnêtement pas énorme. Donc, autant ne... ah, c'est au max. On va faire comme ça. On va garder une loupe sur nous. Ah oui, c'est ça que je voulais tester. Merde, c'est la loupe... je sais, j'ai pas... Vu que j'ai fait un peu les épisodes en avance, j'ai pas vu si quelqu'un m'avait répondu par rapport à ça. Mais c'est vrai que... Oui, on n'a pas testé si on pouvait faire du feu avec la loupe. Pendant les aurores boréales. Pendant les aurores boréales. 500, ça on peut le faire cuire, donc on va le garder de côté. La poussiéreuse, on va faire ça. Donc 500, et on perd rien du tout. Conserve ouverte de force, 0% de perte, mais on n'a pas gagné de... Voilà, on n'a pas gagné le truc. Mais voilà, ça marche très bien même. Donc ouais, résultat des courses, on a... on a augmenté en... En skill, je pense que le skill c'était le plus important. On a fait un peu de raccoon. Non, pas de raccoon. On a fait un peu de fusil. On est à 0,5 en gros. Enfin, on est au 1,5, pardon. Donc on a pu augmenter carcasse niveau 3, ça c'est top. On a pu augmenter cuisine niveau 3, ça c'est top. Parce que du coup, on perd plus les calories quand on force les conserves, ça c'est très bien. Le feu, bon, on n'a pas fait grand chose. On a récupéré des pots. On a récupéré des boyaux. Ça aussi, on en a récupéré pas mal. On peut en faire une seule, d'accord. Ah non, si, des champignons. Champignons que deux. Bon, d'accord. Bon, bah, je pensais que j'en avais récupéré un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, on peut manger tout ça sans problème. Nos vêtements sont bons. On va être full vie. Ouais, on va être full vie. Il n'y a aucun problème, il y a zéro problème. Et avec les conserves, on va toutes les bouffer, comme ça, déjà on sera au maximum, et puis ça pèsera moins lourd, parce que c'est vrai qu'elles sont, comme j'ai dit, elles sont très très lourdes les conserves. Donc voilà. Donc la prochaine fois... Putain, c'est vrai que ça lag, hein, ça. C'est marrant. La prochaine fois, comme j'ai dit, donc on va retourner au lac Mystère. On va prendre exactement le même chemin par lequel on est venu, 2000 tonnes. Ah, c'est le plus rapide et c'est le plus simple, honnêtement. Et on tombe directement sur le lac Mystère. Si on prend l'autre chemin, parce qu'en gros, nous, on va faire comme ça. Et si on prend l'autre chemin, c'est comme ça. Donc, on va tomber sur Muskegmorn. Et on a vu quand même qu'on avait froid très rapidement. Donc, on va pas faire ça. Donc, on va faire directement lac Mystère. Alors, lac Mystère, on va peut-être faire genre un ou deux épisodes dessus. Ce que je voudrais un peu tourner autour du lac Mystère, parce qu'on a rien vu, on n'a rien vérifié, on n'a rien regardé. Vraiment, on n'a fait que la cabane principale. Je crois qu'on n'a même pas fait les petites maisonnettes qui sont tout autour du lac. Parce que c'est grand, en fait, le lac. Donc, du coup, on a froid facilement. Donc, ça aussi, il faudrait le faire. Donc, voilà, un ou deux épisodes dessus. Le barrage, on l'a fait. Donc, on a fait le plus gros. Et puis après, je dirais go autoroute côtière. On a le marteau sur nous. On a le marteau. On a le marteau, on est à 33 kilos. Et après, on a tout ça.
Genre ça fait au moins 2 kilos de bouffe à virer. Ouais, non, on peut prendre encore quelques trucs en plus. Je prendrai un peu plus. Oui, en plus on a tout le bois. Ça aussi, je peux le jeter. Putain, on pourrait même prendre le fusil en fait et rentrer à la maison. Avec le fusil. Intéressant. Bon, on va pas le prendre. Je préfère garder le revolver. Par contre, on pourra prendre le... Ah bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va prendre le... Le livre, parce que sinon je vais l'oublier. On va prendre les 3 livres, honnêtement. Parce que ce qui est bien, c'est vrai que vu qu'elle se fatigue pas trop, le fait de lire des livres, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile. Voilà. C'est juste la nourriture, en fait. Parce que les pertes, genre, on perd 1 heure, 2 heures, 3 heures à lire un livre, mais c'est pas grave. Parce que elle est tellement endurante qu'on s'en fout, quoi, à la limite. C'est juste les calories, voilà, tout simplement. Donc, du coup, on pourrait augmenter ça, ça, c'est bien. En premier, il faut lire la couture facile et le revolver, c'est le plus important. Le revolver, je voudrais bien, parce que comme ça, on passe niveau 2 directement au revolver. Ce serait intéressant. Enfin, voilà. Donc, ce sera tout pour notre épisode. Et donc, la prochaine fois, on retourne au lac mystère. Voilà, tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao.